Et en vrai, c'est une bonne question que tu me poses là. Donc, du coup, je vais demander à Dali de m'aider. Donc là, je vais mettre une photo d'automne dans ChatGTP. Je vais lui demander de me faire une description de ma photo. OK? Et comme ça, ensuite, je vais dire à Dali que j'aimerais que le chien soit transformé en humain. OK? Alors, ce chien semble être un canidé de taille moyenne avec une apparence qui évoque celle d'un loup. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGTP, hein. Il a un pelage dominé par des nuances de gris, de blanc et de noir, avec des marques distinctes qui ressemblent à celles d'un loup. Oh, wow, ça fait beaucoup de loup quand même. Ses yeux sont perçants et présentent une couleur ambre et ou jaune clair. C'est ambre, ambre clair précisément. Ses oreilles sont dressées et pointues, il a une queue touffue, peut-être en train de suivre une piste. Sa langue est sortie, ce qui peut indiquer qu'il est en train de s'exercer ou qu'il fait chaud. Cet individu semble robuste et agile, caractéristique typique des chiens ayant des traits de race nordique ou de travail. Donc en fait, je vais prendre ça du coup. Là, avec cette l'aide de cette description et de Dali, propose-moi une version humaine de mon chien. Alors, création d'image, attention. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai rien précisé de plus que je voulais une version humaine de mon chien. Et en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Par contre, Lola, elle a dit un truc, c'est quoi? On dirait un cosplay raté, genre. Automne, balle perdue pour Automne quand même. Même en humain, il y a une balle perdue. Vous voulez que je fasse la même chose avec votre chien? Likez, abonnez-vous et venez mettre une photo de votre chien dans Discord. Et je vous le fais. Ok? Et si vous voulez une version sur Coda, dites-le moi dans les commentaires.